Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par l'oracle de Yi King et donc on voit ici 6 et le 26. Le 6 nous parle du conflit et le 26 nous parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Le conflit nous dit la chose suivante. Deux forces opposées s'affrontent et engendrent désaccord et antagonisme. La situation exige d'envisager un autre point de vue, de lâcher du lest, de déplacer le débat. Trouvez une autre manière de faire, ne comptez pas sur vos positions, travaillez la souplesse. Cherchez éventuellement le soutien d'un médiateur impartial, d'un homme plus âgé, symboliquement parlant. Ne portez pas l'affaire devant un tribunal, ne prolongez pas le conflit, cela consomme une énergie qui pourrait être mieux employée ailleurs. Voilà pour les mots de ce numéro 6. Pour le numéro 26, le ciel semble produire inlassablement au sein de la montagne, fournissant toutes les ressources nécessaires. C'est signe d'un accroissement de fortune, de pouvoir, de sagesse, d'énergie ou de connaissance. Comment je l'entends ce conflit et comment je le comprends ici, c'est que c'est un conflit nécessaire pour que vous puissiez développer quelque chose chez vous ou dans la relation. Je crois que le dépassement du conflit va accroître le lien. Voilà comment j'entends et je comprends tout ça. La force ainsi accumulée, je continue la lecture, permet d'accomplir de grandes choses. Une ère brillante et pleine de succès s'annonce si votre projet est juste et dépourvu de visées égoïstes. Ramassez vos forces et organisez vos ressources pour les mettre au service de votre projet. Élargissez votre cercle social. Et peut-être, en élargissant, de trouver quelqu'un qui a un peu de sagesse, de recul, qui a peut-être une autre approche de la situation. On va regarder le tarot, ce qu'il nous raconte dans ce message. On a le 6 de coupe. Donc, il y a cette idée d'enfance. Est-ce que le conflit ne concerne pas des enfants? Est-ce que le conflit ne concerne pas une situation qui est peut-être liée aussi à votre enfant intérieur, hein? Ça peut être lié à ça aussi. Et vous avez la reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle de se faire confiance. De faire confiance à son pouvoir créateur, de faire confiance à son pouvoir d'agir, de faire confiance à cet enfant intérieur. J'ai l'impression pour vous, ici c'est vraiment faites attention et à votre enfant intérieur et écoutez-le un peu plus. Parce que je crois qu'il va vous donner la solidité, la puissance dont vous avez besoin pour solutionner quelque chose. Vous avez ensuite le 6 d'épée, bah, décidément le numéro 6, 6, 6, 26. On est vraiment dans cette nécessité de trouver, de retrouver un peu plus de solidité, de stabilité. Vous avez le 7, par contre, ici, le chariot, qui nous dit qu'il faut que le changement soit apaisé, tranquillisé. Si vous êtes dans une instance de séparation, si vous êtes dans un moment de réflexion ou réflexion qui peut-être produit aussi un conflit intérieur, c'est tout à fait possible. Je crois qu'il est très très important de rester serein. Et comment vous allez rester serein dans cette affaire? En vous connectant à l'enfant intérieur. En vous connectant à ce quelque chose qui est peut-être beaucoup plus innocent, moins égoïste, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici, pour les mettre au service de votre projet, si votre projet est juste et dépourvu de visée égoïste. Je pense que plus vous allez avoir une approche un peu collective et globale, plus ça va réussir pour vous. Encore un 6, incroyable, les amoureux. 6, 6, 6, 6, 26. Eh bien, dis donc. Les amoureux nous parlent d'une hésitation, nous parlent d'une situation compliquée. Et vous avez ici le page d'épée. Je pense que c'est compliqué de trancher, de prendre la décision. Il y a ce côté un peu perdu. Perdu pourquoi? Parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Parce qu'il y a un conflit, que ce conflit soit intérieur ou extérieur. Il y a une situation qui est difficile à appréhender là. Compliqué à appréhender. Et peut-être le regard extérieur d'une personne un peu détachée de la situation, quelle que soit la qualité de cette personne, que cette personne soit un ami, que cette personne soit, un collègue, que ce soit un parent aussi. Je pense que ça va vous donner une autre vision des choses et vous aider de sortir de l'apparence. Ensuite, vous avez le seigneur d'épée, c'est-à-dire vous avez ici le roi d'épée. Besoin d'une maturité au plan mental, besoin de comprendre quelque chose et le donner. Comprendre en fait la stratégie à mettre en place, bâtir une stratégie à mettre en place. Pourquoi? Pour
lancer le mouvement pour avancer, pour progresser. Parce que ce 2 de denier nous dit que vous avez besoin vraiment d'aller chercher quelque chose qui n'est peut-être pas si évident que ça pour vous. Il y a quelque chose ici à travailler, mais il faut que ce soit une situation construite. Il faut que ce soit quelque chose qui est bâti. Il faut que ce soit quelque chose qui est réfléchi. Il faut que ce soit quelque chose qui est préparé. Ne pas se précipiter. Vous avez le pape avec le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à dans cette partie de vous qui va vous, en fait, procurer de l'harmonie, qui va vous procurer un peu plus d'aisance dans vos relations avec les autres, qui va vous donner des croyances moins difficile en fait à intégrer, parce que là j'ai l'impression que vous avez besoin de l'innocence, vous avez besoin de faire confiance à vous, faire confiance à d'autres personnes qui sont autour de vous, pour dépasser une situation délicate, pour dépasser une situation compliquée, conflictuelle, en tout cas à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, mais vous avez besoin de faire confiance. 9 de denier avec ce 6 d'épée, donc il y a cette nécessité, ce besoin de se libérer de quelque chose. Il y a cette nécessité de trouver une libération, notamment d'une souffrance. Et je pense que ce conflit va provoquer chez vous des souvenirs, va faire remonter des souvenirs qui ne sont pas agréables. Et qui peut-être justement interroge cette confiance en soi, qui peut-être interroge ce quelque chose qui n'est pas évident à regarder droit dans les yeux, à envisager tranquillement et avec détachement. Et vous avez besoin de ce détachement, notamment au plan mental. Vous avez besoin de ne pas juger, de vous juger, et vous avez besoin de faire un travail de réflexion sur ce qui se passe pour vous. Vous avez le roi de denier. Ce roi de denier nous parle d'une hésitation, en fait, qui touche votre aspect matériel, votre confort, et surtout qui est en train d'interroger la stabilité de votre situation. Cette stabilité est interrogée par quoi ? Vous avez ici page de coupe qui nous dit il y a ce conflit entre le cœur et la stabilité matérielle et financière. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui est en train de naître, qui est en train de s'extérioriser, qui est en train de sortir, de ressortir. Et tout cela vous invite en fait à regarder les choses à travers l'émotionnel, peut-être d'où cette idée d'innocence, plus que par la stabilité matérielle, par les gains matériels, ou en tout cas par la matérialité de la situation. J'ai un autre message pour certains d'entre vous, c'est une question d'authenticité. Parfois, il y a des choses qui sont bien matériellement, mais qui ne sont pas assez authentiques. Vous avez ici le page de bâton. Il y a encore cette idée, faire quelque chose d'assez construit, élaboré, mais qui est passionnant, qui vous passionne, vous. Et c'est encore cette idée de opposition avec la matérialité. Un choix qui doit être fondé sur l'amour de soi, l'amour de quelque chose qui, ni plus ni moins, vous permet de sortir d'une situation douloureuse, difficile, conflictuelle. Je pense que vous avez besoin de cette passion, vous avez besoin de cet amour. Pourquoi ? Pour vivre quelque chose qui est assez compliqué dans cette affaire. Alors, on a deux arcanes majeures. Donc, on a d'abord les amoureux. Donc, 10 de coupe. Il y a cette idée d'harmonie émotionnelle. Vous avez besoin d'harmoniser quelque chose au plan émotionnel. Et ce qui va vous aider, c'est ce 6 de coupe, c'est-à-dire cette reconnexion à votre enfant intérieur. Et vous avez le chariot. C'est seulement cette reconnexion qui vous aidera à impulser un changement. Un changement où vous êtes à l'aise, où vous êtes en accord. Un changement que vous appréciez pleinement. Avec le pape, qu'est-ce que nous avons avec le pape ? Vous avez le soleil. Excellent, excellent. Il y a encore cette idée que si vous vous connectez à cette croyance intérieure, à ce quelque chose qui est intériorisé, à un principe, à une valeur, à quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ben en fait, ça va vous donner non seulement la clarté d'esprit, c'est-à-dire ce roi d'épée, mais aussi cette volonté, cette compréhension de cette volonté pour aller et se diriger vers quelque chose qui vous intéresse. Et en plus, vous avez ici l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de cette graine qui est en vous, qui est en train de prendre corps et qui est en train de s'installer dans votre âme, dans votre esprit, et qui peu à peu, je pense, va vous pousser à prendre des décisions peut-être qui peuvent paraître au regard de la matérialité inconsidérée, mais qui au regard du cœur sont beaucoup plus en accord avec votre intériorité que ce que vous pensez aujourd'hui.
Alors, on continue notre tirage. Ben, vous avez encore un 6, cette fois-ci le 6 de bâton. C'est l'enfant intérieur qui va vous aider à dépasser ce conflit, à sortir victorieux. C'est l'enfant intérieur, la reconnexion avec cette partie innocente en soi qui va vous donner la force de traverser un moment de turbulence, un moment compliqué. Et je pense que là, les turbulences vont être assez compliquées et ça va vous secouer. Mais en même temps, je crois que vous avez la force pour traverser cela. Mais il faut bien rester tranquille au plan mental, ne pas paniquer, ne pas stresser, ne pas vous perdre, ne pas chercher à résoudre à tout point de vue ce conflit ou à tout prix ce conflit, mais plutôt chercher à comprendre, à saisir, à prendre de la distance, à harmoniser vos émotions, parce qu'émotionnellement, il y a cette idée de chamboulement, il y a cette idée de complexité. Et plus vous allez stabiliser l'aspect émotionnel, plus votre mental sera libre pour établir une stratégie qui vous permettra d'aller vers ce dont vous avez besoin. 4 de deniers. Encore cette invitation à rester tranquille, posé au plan mental, pour impulser, initier un nouveau cycle. Plus vous allez être solide dans votre cœur et solide dans vos émotions, plus le mental pourra œuvrer pour votre réussite, plus vous allez pouvoir œuvrer pour votre propre victoire. Le 10 de coupe, vous avez page de denier, donc vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir l'occasion de harmoniser vos émotions, mais dans la matière, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir cette opportunité-là, mais il vous faudra quand même oser regarder une blessure, parce qu'il y avait ce 3 d'épée de tout à l'heure, et avec cette reine d'épée, il y a vraiment cette invitation à regarder quelque chose qui n'est pas si sympathique que ça. Et je pense qu'il y a un chamboulement émotionnel, que ça vienne d'une personne qui provoque, parce que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui va provoquer ce chamboulement émotionnel. Pour d'autres, c'est un souvenir qui va remonter et qui va vous rappeler des choses pas sympathiques du tout, et donc il vous faut rester stoïque, tranquille, posé, apaisé, pour mener à bien en fait le détachement. Et plus vous allez vous détacher émotionnellement, plus vous allez rester tranquille et harmonisé dans vos émotions, plus il vous sera facile d'établir la stratégie gagnante et la stratégie qui vous mènera vers la victoire. As de denier, parfait. Vous avez vraiment l'opportunité, vous aurez l'opportunité de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de renouvelé et quelque chose où vous êtes à l'aise avec cette affaire de deux coupes. Mais tout viendra de votre capacité à équilibrer l'émotionnel, à retrouver cette émotion qui est stable et qui peut-être justement vous permet de traverser cette turbulence ou ces turbulences, dirais-je même, fièrement, dignement, tranquillement, sans panique et sans stress. Parce que je sens que pour certains, ça va être compliqué. Le soleil au même endroit. Excellent, 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 excellent. Chevalier de Denier, c'est la stabilité qui va vous donner la réussite. C'est la stabilité qui va vous donner le succès. C'est la stabilité qui va vous permettre de passer de l'autre côté en entier, et même avec une leçon de vie, et même avec une leçon qui va, je pense, vous servir dans le nouveau cycle. Je pense que tout ça, c'est un prétexte de l'univers pour vous amener à quoi ? Pour vous amener à une compréhension, à être beaucoup plus sage, à intégrer quelque chose dans votre vie qui est une leçon de sagesse et qui vous permettra de naviguer mieux pour la suite, c'est-à-dire pour la suite de ce nouveau cycle qui se annonce pour vous. C'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, mais un cycle qui chamboule. Voilà, ça, parce que toute transition va chambouler, chamboule chacun d'entre nous. Le roi de bâton, super. Une liberté dans l'action, oser agir, oser faire quelque chose, oser agir par rapport à une situation. Et je pense que vous allez à un moment donné expérimenter cette idée, ce sentiment de « oh là là, je vais tout perdre ». Et c'est ce que nous disait ici le roi de Denier. « Oh là là, ça ne va pas marcher ». Et pourtant, là, je crois, malgré ce sentiment, il vous faudra trouver la force et surtout la sagesse d'agir quand même. Parce que je n'ai pas l'impression entre nous que vous allez perdre quoi que ce soit. Parce qu'oubliez pas qu'au dos d'Ec, vous aviez l'impératrice. Donc il y a la graine d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle abondance. Mais il y a quelque chose à risquer. Il y a quelque chose à mettre
Dans la balance, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée avec ce roi de denier, oui, effectivement, il vous faut beaucoup de détermination pour remettre en question l'existant, pour remettre en question ce qui se passe aujourd'hui pour vous, parce qu'il y a un risque, hein. Je vous dis, il y a un risque, mais malgré le risque, voilà, ce serait ça votre leçon. Est-ce que je suis capable d'aller malgré le risque? Est-ce que je peux risquer quelque chose que j'ai maintenant pour peut-être quelque chose qui n'est qu'une graine, qu'une idée, qu'une possibilité? Est-ce que je suis capable de? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de suivre mon cœur? Page de coupe. Est-ce que je suis mes émotions, cet enfant intérieur qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va toquer à la porte de votre conscience? Ou est-ce que finalement je me contente de ce que j'ai, puis je garde ce que j'ai et je reste là où je suis? Alors après, c'est une décision personnelle, je pense. Ça dépendra de la situation et de votre état émotionnel et mental actuel, hein. Vous avez ensuite ma page de bâton. C'est exactement la même énergie. C'est-à-dire, vous avez vraiment cette invitation à suivre votre cœur, invitation à suivre votre âme, invitation à suivre une passion. Une passion qui, je pense, va vous demander de l'ancrer, qui va vous demander de presque investir quelque chose sans avoir tout de suite l'idée, la possibilité d'avoir un retour sur investissement. Donc, il y a quelque chose qui est risqué, on le sent ici. Alors, on a le soleil qui est notre arcane majeur. Qu'est-ce que nous avons avec? On a le 2 d'épée. Vous allez avoir la réponse. Vous allez obtenir la réponse, la connaissance, l'information. Oui, c'est de donner, mais pour ce faire, vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de rentrer dans cette énergie du roi d'épée et de la reine d'épée pour envisager les choses de manière globale et pour ne pas vous faire avoir par une peur. Parce qu'on sent qu'il y a une peur chez vous. Ce qui est logique, hein, quand on doit risquer quelque chose, il n'y a pas une seule personne qui ne se pose pas de questions. Mais après, c'est tout l'art dans une décision, c'est de peser le pour et le contre. C'est-à-dire d'envisager toutes les possibilités, ça c'est le roi d'épée et la reine d'épée, et de le faire très calmement, de manière très posée. Et plus vous allez le faire ainsi, en intégrant bien évidemment l'aspect passionnel, en intégrant l'aspect émotionnel, mais en n'oubliant pas non plus le matériel. Parce que là, le matériel, vous êtes dans la possibilité, la potentialité. Et vous devez, et vous allez devoir, mettre sur la table ce que vous avez. Pour risquer presque quelque chose, c'est presque un jeu de poker, là. Oui, alors on me confirme, c'est un jeu de poker. Alors là, on en a trois. C'est un jeu de poker où vous allez devoir miser. Miser sur un potentiel, une possibilité. Alors, est-ce que vous allez tout mettre sur la table, qu'une partie, je ne sais pas. En tout cas, avec l'oracle, vous avez la muse, le chaman, le rayon blanc, et au dodec, on va regarder, nous avons le maître de sagesse. Le maître de sagesse, je pense que c'est votre objectif. Ça fait partie d'une leçon pour votre âme. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Je pense que c'est une leçon là que vous êtes en train d'avoir. Avec le rayon blanc, vous avez aligné et revitalisé vos zones énergétiques. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous aligner, aligner l'émotionnel, le mental et surtout pour pouvoir prendre de la distance par rapport à la situation. Parce que c'est là, en fait, que vous allez pouvoir saisir et comprendre ce qui est derrière le voile, ce qui se cache derrière le conflit, ce qui se cache derrière cette situation compliquée, c'est-à-dire derrière ces turbulences, ces changements, etc. Parce que, en fait, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Le chaman vous dit, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Et pour vous, c'est quoi ce passage d'état de conscience? Ces passages de l'émotionnel vers le mental. C'est-à-dire laisser un peu plus de place, un peu plus de liberté au mental pour que ce mental puisse gérer une action mûre et stratégique. Parce que l'émotionnel, je vous dis, vous allez être chamboulé émotionnellement. Il y a ces turbulences qui vont vous perturber à un moment donné. Et la muse nous dit, elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce que nous disait ici le soleil, que vous allez avoir l'idée, la connaissance, l'information. Et on est encore sur les idées, on n'est pas sur les émotions. Et donc, vous avez trois cartes qui sont sorties, en fait, qui concernent cet aspect spirituel, et vous avez une qui nous parle de soins énergétiques. Je vous dis, il y a quelque chose qui va être soigné chez vous. En fait,
qui va vous demander de faire un retour sur vous-même pour vous reconnecter à cet enfant intérieur, et cette innocence de l'enfant intérieur sera votre guide spirituel, sera cette partie de vous, c'est entre vous et vous, qui va vous permettre de traverser des turbulences sans trop de dégâts. Et je crois que là, il y aura toute une réflexion sur est-ce que je vais miser, est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais risquer, est-ce que je fais confiance à moi, à l'univers, pour initier un nouveau cycle qui n'est qu'une probabilité, qui n'est qu'une possibilité, qui n'est qu'une opportunité. Voilà, chers amis, j'espère que cela vous aidera dans votre réflexion. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.